écoute ça. Gadian musique locale, découverte ou redécouverte d'un artiste ou d'un groupe. Prendre l'écoute, vous êtes sur Radio Salaz. En tout cas, merci pour votre fidélité. Ce matin, notre Gatium, les Gaillards, puisque là, ça n'écoute Zoc, là. Ce coup de Zoc, c'est Gamaloya. Nous n'est là, à Polonia, donc Bruno, hein, que les là. Bonjour Bruno. Bonjour. Fondateur donc du groupe Apolonia. Nous n'a notre casse, hein, maman, il a, c'est un moment, il a quoi, c'est rien, pas elle. Bonjour à toutes. Et puis, pareil que c'est Gaël, elle est sur la route. Il paraît. Et puis n'oublie pas bien sûr Bibic, hein, Bibic toujours fidèle à la technique. Alors Bibic. Alors vous êtes venu parler à nous justement de ce bébé projet, la coup de Zoc, c'est Gamaloya. Déjà, qui s'allait à l'initiative de ce projet-là? Nous délit. Ces autres deux. Parce que moi, on a dit quelque part qu'apparemment ça t'est jamais un petit peu de tête, ça, depuis 2005, où t'es fait réfléchir à faire un petit projet. Disons, depuis longtemps, on m'a toujours voulu faire même des projets un peu en partage avec d'autres artistes. Mm-hmm. Moi, j'ai fait un projet avec l'Océan Indien, avec à l'époque, quand tu travaillais avec un truc, j'ai réagir à lui, Tiana, tu aurais peut-être fait un truc plus l'Océan Indien. Mm-hmm. Mais après, bon, l'éloignement des îles, la logistique, tout ça, c'était un peu compliqué, nous l'avons repoussé, après, bon, bah, la passe au rang d'oubli. Hein. Et puis, ben, l'idée là continuer à aimer, et puis, il travaille pas depuis quand même beaucoup d'années, non? Oui. Pas mal d'années. Pas mal. Et puis, nous là, dans la famille militant, tout ça, ouais. Mais tout emboîté. Et puis, il dit ah non, on sait. Ben, Zod, du là, tu connais Zod depuis quand, à peu près? Je suis plus à côté, oui. Raconte à nous. Je suis là. Non, pas du tout, je ne vis pas à côté. Au moins un bon 20 ans. Un bon 20 ans? 98, 99. Ah, tu connais Zod depuis ce temps-là? Bien, 20 ans. 18 ans là. 18 ans de temps. 18 ans de temps. 18 ans de temps. 18 ans de temps. Elle est grattée. T'as pas fait rapporter comme moi. Oui, ça serait bien. Allez. Joyeux anniversaire. Ah. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Nous-mêmes. Joyeux anniversaire. Ah bravo, mais c'est un petit PME à moi. Je voudrais rajouter, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Aurore, que les animatrices donc ici, à Radio Salaz. Et Bibic, c'est demain matin, c'est son anniversaire. Allez, on chante ça pour maintenant, donc allez. Bibic et Aurore, allez. C'est... tous les ans pour nous toutes pareilles, nous attendons la livraison. Dès trois jours avant, ou bien puis sommeil, tellement les impôts. Avec ou sans la santé, demande la radio, meilleur morceau sera mon premier cadeau. Ou quel est gros, moins un couplet. Bon anniversaire, mon petit mot est vraiment sincère. Bon anniversaire, mais l'amour il est là, donc bon anniversaire. Astel ou ça sent, donc bon anniversaire. Hey, bravo. J'aime ça. Ok, mais les gaillards. Allez, allons au cas un petit coup de zoc là. Déjà le mot coup de zoc là, qui ça l'a décidé ça. Moi, je me rappelle longtemps qu'il y a un coup de zoc dans la tête. Et bah, là. Un coup de zoc, ils sont arrivés dans mon tête parce que ouais, pareil. C'est une imagination, ça fait longtemps, parce que c'est un truc. Quand tu es dormi, les gars, on faisait des gagnants. Tu te réveilles là? Je vais y aller. Bien moulou, quoi. Écoute ça quand tu dormis.
Donc elle a dit, bon, oui. Allons, mais ça coûte zoc. Non, ça va coûte zoc. Alors, comment ça a fait pour parler de ce projet-là, justement, de parler là? Comment ça a décidé le choix, le bon musicien? Comment voilà. Est-ce que tu penses que ça arrive comment? Grand si, comme ça. Si, parce qu'il avait une vision loin, une vision, comme disons, décloisonnée de la musique rivennaise. Parce que nous étions des militants, nous avons fait beaucoup de travail sur l'histoire de la musique rivennaise, sur Sega Maloya, nous l'avons vu qu'en fait, au départ, l'histoire, il y a pour un anneau que notre musique est tournée vers le monde depuis le départ. C'est une musique qui est assise sur trois piliers, l'Occident, l'Afrique, Madagascar, et puis l'Orient. Donc déjà, c'est une musique tournée vers le monde. Et ensuite, on a fait un travail sur le lien qui existe en vraiment, historiquement, entre le thème Maloya et le thème Sega. Et donc, ça a fait un exposé à 10 ans, je n'ai pas compagnie pour ça. Mais tout cela, en fait, c'était pour traduire un peu tout ce côté militant-là. Et puis faire prendre la dimension, faire prendre conscience que nous avons une richesse dans notre main, la Réunion, mais par ignorance, nous croire que les séparés, nous croire les petits, mais en fait les gros, quoi. C'est une musique, on a plein de connexions avec le monde, et l'idée c'était, maintenant que notre musique a été enrichie par l'Occident, l'Afrique, Madagascar et l'Orient, maintenant, ben, on amène ça vers les autres, etc. Voilà, c'est partage, j'ai dit, quoi. Voilà, en philosophie d'air. Exactement, partager, ouais. Mais vous n'avez pas peur de lancer un projet comme ça, parce que c'est une grosse affaire, ça. Mais dire, quand il y a au Kuzok, c'est Gamaloya, ce sera l'Olympia, c'est... C'est la, frère, la peur, je pense qu'il ne faut pas que nous ayons ça. Il faut que nous ayons l'ambition. C'est surtout de l'ambition de vouloir faire et d'y croire. Et tout le temps, on parle de cette histoire qu'il faut que nous ayons le fond et la forme. Et dès lors qu'on a ces deux-là, les réunis, on peut que prendre le projet et aller et faire Rionali au plus haut. Nous l'avons choisi l'Olympia pour faire Rionali au plus haut, comme nous l'avons choisi le Théâtre des Sables le 30 septembre pour notre pays, pour faire Rionali au plus haut dans une salle que les gens y assisent, ils prennent le temps, ils regardent, ils écoutent, ils lèvent, ils dansent, ils chantent. Donc nous croyons à ce projet-là. Nous n'avons pas peur parce que nous n'avons pas animés par ce sentiment-là. Nous l'avons au contraire, ce sentiment de joie, de vouloir faire pour notre pays, de vouloir faire pour la musique et apporter ça aux gens. Donc voilà, donc la peur n'est pas dans notre pensée. Nous n'avons le trac avant d'être sur la scène, comme tout groupe, nous n'avons le trac. Ben oui. Mais non, après, la peur. Non, mais après, je vous vais là. Quand on connaît l'histoire de cette musique-là, la France, il vient de là, en fait, finalement. Vous dites, mais la musique, en fait, on a les racines africaines, et les racines africaines, en fait, c'est un héritage planétaire, l'Afrique. Le blues, le jazz, la Nouvelle-Orléans, c'est l'Afrique. Tout ça, là, il est partout. Vous dites, donc on a une connexion avec tout ça, là, il part là-haut. Donc, déjà, on a un héritage qui est planétaire. Mm-hmm. Donc, il donne moins force. Ouais, oui. L'Orient, pareil. Quand on prend l'Orient, ben, l'Inde, la Chine, tout ça, là, ben, c'est des héritages qui sont dans le monde entier. Donc, nous, c'est un petit grain de sable dans l'océan Indien. Nous avons le monde dans notre musique, ou de quoi nous la peur. Exact. Mais est-ce que c'est le fait que, aussi, ben, le fait que vous êtes bien entouré, là, de Nao, Napaël, sûrement la famille, tout ça, il donne à vous aussi cette force, pour ces autres petits allez. Il y a des autres ou pas? Après, on a l'expérience aussi, on a 25 ans de métier aussi. Hein. Après, on a la logistique, on a Daniel, on a toute la logistique liée à la société de production, le studio d'enregistrement qui suit, parce que, pour la vie, la quantité de vidéos nous fait, tout ça, il faut faire, il faut avoir des bien sûr. Nous fait. Il faut enregistrer, toute cette logistique-là, nous, ça part quand même la fait au fusil. Mais l'ambition, elle est là, la projection, elle est là, l'envie de projeter, elle est là, et puis la logistique des gars, suivent. Tout le monde a suivi. Le public, qui suit. Chacun a son place dedans. C'est là déjà où nous avons réussi, en fait. Chacun maintenant identifie les autres à Kuzok Sega Maloya. Tu vois déjà la projection de la musique rivennaise à l'Olympia. Et c'est un point de départ, en fait, c'est pas un aboutissement ou un rêve où tout le matin, on était rasé, on était pensé, il y a un concept sur l'Olympia. Mais maintenant que nous avons la possibilité de jouer dans l'Olympia, il faut nous utiliser comme un début, pour faire voir que ça, quel gars il y a, la Réunion nana. Pour aller encore plus loin. Et puis, comme si ça, tu rouvres la porte pour les aider. Ça donne des galants. C'est voilà, ça, exactement. Ouais. Moi, je prends un livre comme ça, surtout. Hein, ouvrir la porte, ouvrir la porte à l'excellence et faire rayonner cette musique que nous n'avons là au plus haut. C'est dans un music hall, donc au plus haut. Que sur l'enseigne, là, va être affiché Sega Maloya, donc la Réunion, et que les gens, ils voient que ben, nous avons cette belle musique-là, nous les fiers.
et sans crainte, nous porte à lire haut et fort. Donc, à partir de ce moment-là, nous peut être que bien dans notre coco. Quand on dit la force, oui, la force, il vient de la famille, il vient de tous les bons arboutants culturels que les là avec nous, il vient que toute cette force que Zot y donne à nous, à où en tant qu'animatrice et la technique, l'important que Zot Nina a aussi Zot rôle à jouer, nous fait un bout, chacun y fait un bout. Et donc, nous, comme on dit, nous fait nous-mêmes. Pas nous-mêmes. Nous fait pas nous-mêmes. Nous fait un grand bout de pas nous-mêmes. Voilà. Zordi n'a besoin, comment on a besoin d'autres mondes aussi. Hein. Zordi, nous on a besoin des collectivités, même si nous la Russie n'a qu'à mitigée au départ, nous n'est pas du tout des masses de revanche. On a besoin d'autres pour relayer l'information auprès des Réunionnais, des antennes du Conseil régional, Conseil général, tout ça là en France, pour que les Réunionnais connaissent un événement là, quand même. Ah ben oui, ça il faudrait bien sûr. Ah. Dis-moi, ça c'est un projet, ben, financièrement, ben, ils auraient pu avoir des aides, il faut l'argent, ben oui, c'est un truc, que, voilà, comment l'a se passé, là, j'ai fait une demande d'aide. Ben, comme tout est fait, nous a fait une petite demande d'aide par-ci, par-là, et puis, bon, nous n'a pas été suivi comme il faut, quoi, nous avons reçu un accueil mitigé, et puis nous apprend l'argent personnel, nous la mettre dedans. Ah, tu as quand même, hein. C'est beaucoup. Beaucoup d'argent, nous la mettre, ben... On a fait beaucoup de choses bénévolement aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas calculé combien ça gagnait les affaires. Par exemple, tout le travail artistique, nous avons la fournie, les arrangements, les répétitions, ça, les gens, les musiciens à l'avenir. Et puis, ben, on a fait un sacrifice. Et puis, on va prendre l'argent pour été, à droite à gauche. Wow. Mais c'est un risque aussi, ça, t'y court, non, financièrement, puisque là-bas, la salle, mais je suppose que ce n'est pas une salle qui coûte. Non, elle n'est pas donnée. Voilà, elle n'est pas donnée. Elle n'est pas donnée, rien n'est donné. Mais tout ça pour dire que. Sans rendre à nous compte, de la mettre en pratique une philosophie, une manière de voir que d'autres mondes l'avaient dit avant, mais que parce qu'ils avaient déjà mettre en pratique ça, c'est-à-dire le côté fait par nous-mêmes là. On entend ça parler, mais nous, sans rendre à nous compte finalement qu'on a fait le bilan. On a des deux, trois autres salles pour dire ça, mais finalement, on fait ça par nous-mêmes là. Ben oui. On a loué la salle, les chairs, on a loué la sono, on a commencé à payer un radio pour diffuser un peu deux, trois spots, on a investi dans Facebook, réseaux sociaux, donc il faut fournir les vidéos. Donc, il faut que quelqu'un filme. Et la captation. La captation, les enregistrements des supports studio, ça, deux morceaux là. Il faut payer le technicien. Il faut payer, bien sûr. Il faut payer le technicien, tout ça là, la mettre dedans. Et du coup, ben, le truc, il est là, maintenant, ça va, nous sera là-bas le 29. Il manque à nous maintenant un petit relais au niveau de la com. Ben, c'est pas grand chose. C'est pour ça que nous, on a fait une petite vidéo, nous interpelle, parce que c'est pas grand chose que nous demande. C'est vrai. Madame, monsieur. Sac ma télé. La télé, la main de télé, 30 septembre, bien fais images. C'est vrai, hein, c'est bien. Bien fais images. Ben, oui, fais-tu oui, s'il vous plaît. Alors, justement, le 29 septembre, ce sera où ça exactement? Le 30 septembre. Au Théâtre des Sables, à l'étang Salé. Donc, comme il disait, effectivement, il peut paraître loin, par exemple, que nous sortons de Saint-Pierre, nous vient Salazie. Comme il peut paraître loin, quand nous sortons de Salazie, il vient au Théâtre des Sables pour voir le fameux coup de zoc, c'est Gamaloya avant l'Olympia. En fait, c'est la force que nous veut donner. Donc, peu importe la distance, c'est le cœur, le corps, il cause. Alors, vous avez mis en place d'autres projets comme ça. Là, je l'étais donc au Théâtre, Théâtre des Sables, donc le 30. Mais avant, je l'ai fait aussi dans des salles, dans d'autres salles, non? Pour présenter d'autres projets. On l'a essayé, mais bon, on peut la faire, mais nous la porte. Ah, c'est pas évident. Ah non, ici, il ferme la porte, point, nous ici. Hein. Ici, quand il ne connaît pas, il ferme la porte. Alors, on m'a fait tourner des salles en 2009. Mais dis, oh, il m'appelle, on a quand même, j'aurais dit 25 ans de métier. 2009, donc, on m'avait 18 ans, oui, déjà. Et fait des trucs que la marché. Mais elle a fait tourner des salles, et quand on était défendre des salles là, ah, et il fait pas ça, il dort. On a fait comme ça, la réunion. Il n'est pas dans la logique de programmation. Lui, les autres salles, ne fait pas lui à moi, les autres salles. La réunion. Nous laisse au point. Et là, pareil, le coup de zoc là, quand on a lancé le coup de zoc là, avec Moulin, elle est inconnue, mais bon, on a moins dedans, on a pas elle. Mais ça, me disait justement, ben, Apollonia, c'est une force. Voilà, c'est une force. Non, mais moi, je devrais, je sais pas, on a Apollonia, on a Ségaël, on a pas elle. Non, il faut voir, il faut voir, tout ça. Après, il faut produire, ben, quand on produit, donc c'est moins d'argent que mettre dans le projet final. Donc, on ne peut pas prendre des risques, on ne peut pas tailler les affaires partout. Bien sûr. Personne n'y est pas où. Donc, ça va, s'il y a un seul truc. Et donc, et ce qui fait que nous, la ZTA descend en avril. Après, nous l'attendons le 13 juillet pour les fêtes de Saint-Paul. Et là, nous refait Théâtre des Sables. Et d'ailleurs, merci beaucoup Théâtre des Sables. C'est parce que là, vous dites moi deux fois, là. C'est la structure qui... C'est l'endroit qui accepte de jouer le jeu dès le départ. Avec toute la logistique de là. On accepte aussi, Rouvano la salle pour tourner les images du club sans mélanger. Donc, on a vraiment la jeu le jeu. Bravo. Si tout est comme ça, t'es valable, quoi. Oh là là, ben oui.
Là, vous avez combien là comme musicien, par exemple? Est-ce que c'est les musiciens d'Apollonia qui accompagnent? C'est les musiciens d'Apollonia qui accompagnent, c'est 5 musiciens. Frédéric Carazeux, batterie, Johan à table basse, Thierry Bon, accordéon, Olivier Cordonnet, violon, Grazilla Govindin, percussion et voix, et puis trois chanteurs. Trois chanteurs. Et là, quand Côte Vallée, donc le 29 justement, quand Côte Vallée de l'autre côté, en métropole, là-dessus, je pense que j'aurais pu avoir des aides pour les billets quand même. Ben là, on est en train de batailler pour ça. Oh là là, c'est galère pour vous êtes quand même, hein? Ah oui, c'est une galère, non, mais ils rouvrent la porte. Ah, ils rouvrent la porte, mais. Ah non, mais elle n'est pas facile. Elle n'est pas évident, hein. Donc, on a une volonté de projection de la musique, c'est-à-dire ouvrir l'émancipation. Mm-hmm. Et on voit tout de suite les affaires déployées pour. Pas pour passer à aller, mais pour. Les gens n'est pas préparés à ça, quoi. C'est ça. Les affaires n'est pas préparées à ce que les artistes rennais ils voient loin. Et donc, nous payons un peu ça, nous, là. Après, peut-être ça sera plus facile pour les autres d'hier. C'est pour ça que je trouve les un peu. Triste à dire, mais au début, quand on lance le projet, les gens ne partagent pas nos affaires. Hein. Mm-hmm. Quand on nous parle de réseaux sociaux, mm-hmm. cela, donc, les musiciens, oui, mais il y a très peu d'acteurs culturels, de musiciens qui sont en train de partager nos affaires. Là, nous, on fait mes idées bien. Parce qu'en fait, on a compris que en fait, la réussite de ce projet-là, c'est une certaine forme de facilité pour les ADI. Mm-hmm. Mais il prend le temps avant de la compris. Et le choix, bon, on l'a pris Paël, donc Paël est dans le groupe, Nina, c'est Gaël. Mm-hmm. Comment a été fait la rencontre avec Gaël? Ben, on a dit, de Paël, on a dit, bon, ouais, il faut une autre quelqu'un. Une autre un répertoire populaire aussi. Mm-hmm. Et une fille, pour niveau travail vocal, après, on a plein de possibilités. Et puis, nous, tu as la partie Sylvie automatiquement au début. Après, vous me direz, Sylvie, t'es dit, ah, non, ben, nous, ça, dans d'autres mondes, mais comme il y a de nos vies, ben. On n'a pas posé. Alors, nous trouvons donc pour notre gardien Kutzok, Segamaluya, Nuna Bruno, donc fondateur du groupe Apollonia, Paël, et enfin notre Segaël, notre chouchou, on va dire ça comme ça. Segaël est très apprécié sur Salazie, Ocasio ne connaît pas. Ah, si, voilà. Alors, voilà. Alors, Segaël, tout à l'heure, tu es en train de causer avec Bruno, justement, il est en train de dire comment il a été fait les rencontres et tout, mais où, comme Anna, est venue proposer à eux justement ce projet Kutzok. Alors, que ça l'a ressenti. Un coup de zoc. Tu vas la rouper de tête, ça, non? C'est vrai. C'est un coup de zoc. Ben, m'étais flattée, m'étais contente, m'étais. Comment dire ça? En fait, Mimi va être franche avec vous. À un mois, c'est là que m'y réalise vraiment. C'est vrai. Ça passe d'une salle mythique avec mon deux. De Dallon? Ah oui. C'est vraiment une chance pour moi, c'est une belle opportunité. D'ailleurs, il ne finira jamais de venir si elle zote. Mais fais quoi, mais trappe mon caméra, mais mettre bien en face de haut. Et donc, c'est un bonheur pour moi, bien entendu. Oui. Et est-ce que vous pensez justement que ce projet-là, ça va venir énorme comme ça? Parce que quand même, c'est un gros projet. C'est un gros projet, mais au début, il n'était pas évident. Hein. Nous gratte, mais comme nous n'avons la foi et que nous croyons en notre projet, ben, les choses y aboutissent. Nous les souder et il ne peut que apporter à nous que du bien en fait. Alors, bientôt, donc le 30 septembre, ça sera au Théâtre des Sables. Alors, comment va dérouler le spectacle? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui fait un avant-première? Qui sait quoi? Allez, Bruno. Qui est la première partie? Bruno, pas elle. Tiens, photo. Mais oui, fais tout, moi. Allez, pareil que moi. Oui, moi, m'y cause des couilles. Exactement. Oui, parce que nous tenons absolument que à chaque spectacle Kutzok, de la philosophie Kutzok, donc emmener avec nous, apporter dans notre soubique et mettre aussi à ce niveau d'excellence-là des nouveaux talents, des talents que les toujours cachés, les dans l'ombre. Et là, nous l'avons voulu. La fois dernière, c'était Jackie Revel. Et là, c'est un jeune marmaille avec son univers maloya, bobre, il appelle endémique maloya, donc il suit à nous là-dedans, donc ça sera son, comment il appelle? One Man Show. Son One Man Show avant-première, que Lina, le don, voilà, le don de plonge à haut dans l'univers de l'histoire, même de la musique réunionnaise avec son bobre, là, il s'emporte à nous, donc. Bien évidemment, surprise, ça sera pour le 30 septembre, au Théâtre des Sables. Alors, le 30 septembre, et après le 29 octobre, est loin, entre ça, après, la plus d'autres petites scènes. On aurait aimé. Il revient un petit peu ce que vous l'avez dit tout à l'heure, pas évident. Sérieuse. Non, mais c'est Nana, nous fait, nous. Mm-hmm. Parce que c'est toujours
un plaisir de jouer et puis de répéter le spectacle. Ouais. Et là, là les titres que tu joues, là, par exemple le 30, ce sera les titres que tu vas jouer. C'est le même spectacle. D'accord. C'est un spectacle de combien?